Pour trouver l'expression, et bien c'est celle que vous avez à la page que je vous ai établie. Je ne sais pas que je vous pose la question. J'aimerais bien savoir si vous avez une idée de comment ça pourrait se passer puisque vous avez tous les éléments entre vos mains. J'attends. Vous avez le soluté et vous avez le solvant. En classe, il y a deux profs, c'est-à-dire un prof qui parle et un prof qui signe. Et donc chaque prof donne deux cours en même temps, enfin pas en même temps, mais légèrement en même temps, et donne le même cours, exactement le même cours, donc, c'est-à-dire il n'y a pas complètement un truc complètement dérapé, non pas du tout, c'est vraiment le même cours. Et voilà. Avec qui c'était la nationalisation des députés. Pour moi, être bilingue, c'est deux langues où on maîtrise bien. C'est-à-dire, par exemple, moi, c'est le français. Je maîtrise bien parce que je parle, je comprends les bases, je travaille beaucoup sur cela. Et la langue des signes, donc je parle aussi sur la langue des signes, je maîtrise bien. Et donc, c'est être bilingue, c'est étudier facilement les deux langues. Enfin, deux langues en même temps, comme ça. Ce cours-là, c'est vraiment la langue des signes et le français. Donc là, dans ce cours-là, on apprend de traduire du français en langue des signes ou inversement. Donc, par exemple, pour le français en langue des signes, on reçoit un texte et d'abord on maîtrise les étapes, c'est-à-dire on a des règles à respecter et puis on traduit en langue des signes avec
une vidéo, un ordinateur et voilà, ou inversement. J'aimerais bien travailler dans le droit, donc en haute école, et voilà, pour travailler un peu dans la police. Thank you.